en service du Léman Express, réseau RER, qui va nous permettre véritablement d'entrer dans le 21e siècle en matière de transport d'agglomération. C'est cette date qui verra une réorganisation du réseau TPG, déjà performant aujourd'hui, mais qui le deviendra encore davantage, avec cette intégration dans un système de transport qui existe dans d'autres villes suisses que l'on envie et que nous allons nous aussi mettre en service prochainement. Ça va donner vraiment une dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle offre. Et vous avez bien raison de rappeler, Monsieur Berdeau, que la mission première des TPG est effectivement le cœur du business, comme on dit, le core business, pour rester dans les anglicismes, c'est effectivement de transporter un maximum de personnes de la manière la plus confortable, la plus rapide, la plus sûre qui soit. Et donc, ce sont des infrastructures lourdes. Ça, c'est le premier élément qui m'a incité à choisir ce dicaster, à choisir cette politique publique et à m'y plonger vraiment avec beaucoup de passion. Le deuxième élément, c'est que, figurez-vous, d'un point de vue de la temporalité, non seulement nous mettons en service des nouvelles infrastructures massives, mais nous vivons une période vraiment révolutionnaire en matière de mode de se déplacer, de vie, d'organiser sa vie avec cette révolution digitale. Et la mobilité est au cœur véritablement de cette révolution. On en perçoit déjà aujourd'hui certains aspects, notamment avec les applications qui nous permettent de choisir les meilleurs parcours, mais également avec des modes de transport comme celui dont nous inaugurons aujourd'hui l'exploitation commerciale ici à Genève, les véhicules autonomes.